Eh bien, bonjour tout le monde. Voilà, nous vous présentons la sauce à salade, qui est un complément pour la vidéo que nous avons déjà présentée, la salade composée. Donc, voici tous les ingrédients que nous allons utiliser. Nous allons commencer d'abord par la moutarde. Une bonne vieille moutarde à l'ancienne, paraît-il, mais. Alors, une petite cuillerée et une deuxième petite cuillerée pour compléter, voilà, pour qu'elle soit bien moutardée et qu'elle soit assez relevée. Ensuite de ça, nous allons mettre de la mayonnaise, histoire de donner une bonne onctuosité à notre sauce. Alors, une bonne cuillère suffira. On mélange un petit peu. Et pour continuer, voilà, on va choisir de la Savora. Une bonne cuillère de Savora pour donner encore un peu plus de goût. Pour continuer, nous avons à avoir le choix maintenant entre la piccalilli ou la sauce américaine. Et bien, ben voilà, là, ça sera de la sauce américaine pour aujourd'hui. Hein, histoire de donner un peu de petite couleur rougeâtre à notre sauce. Et on continue à mélanger un peu. Hein, toujours important de mélanger. Et donc maintenant, nous allons procéder à la mise de l'huile d'olive. Une bonne cuillerée et ainsi qu'une bonne deuxième cuillerée. Il faut pas hésiter à en mettre un peu. Ensuite, là, nous rajoutons une petite touche un peu personnelle, qui est de sorte d'huile d'olive aromatisée. Et maintenant, nous allons vous proposer maintenant une sélection de trois vinaigres, hein, qui est un ensemble de vinaigres. L'en premier, un vinaigre de cidre, ce genre de vinaigre pas très très coloré. Et ensuite, nous prendrons donc un vinaigre qui est un vinaigre vieilli au fût de chêne de vin rouge et qui est aromatisé à la framboise. Ainsi que pour finir, nous prendrons un vinaigre balsamique qui va donner une couleur bien teintée, bien noirâtre à notre sauce qui va prendre une couleur jaune orangé assez prononcée. Nous continuons donc bien bien à mélanger la sauce. Et maintenant qu'elle est pratiquement finite, il ne reste plus que quelques petits condiments à ajouter. Voilà, une pointe de sel, un bon sel marin bien entendu, éviter d'autres types de sel qu'on ne parlera pas. Et maintenant, la poivrière avec une sélection de poivre et d'autres grains, genre coriandre, à l'intérieur. Voilà, notre sauce est donc quasiment terminée. Nous continuons donc bien à la mélanger. Comme vous pouvez la voir, nous allons rajouter encore un petit ingrédient, un petit d'origane, un petit peu d'origane pour compléter. Voilà. Et donc voilà, après l'avoir bien bien mélangé, vous pouvez enfin la regarder de près. Voilà, vous voyez la belle couleur. Et pour montrer à quel point c'est bon, une petite démonstration. Vraiment impeccable. Eh ben, très bien. Je vous remercie bien et je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo sur les éditions du Calumet Production. Eh bien, merci bien pour votre écoute. Merci et à bientôt. Nous sommes heureux de vous dire à une prochaine vidéo. Et nous nous réussissons un peu nos petites poules avant de nous en aller. À bientôt. Au revoir.